L'appartement resta seul. Elle partit avec l'odeur du cuir et la faible lumière du matin. Le fauteuil affadi commença sa longue attente. Le plancher du salon et les murs assombris se racornirent imperceptiblement, comme chaque fois qu'elle emportait, ou sans le vouloir, leur reflet beige écrit. Elle reviendrait, et tout rentrerait dans l'ordre. Le cuir retrouverait son parfum et le parquet son relief lumineux. En attendant, la théière refroidie depuis la veille au soir laissa croupir son thé, sauvant sans le vouloir les moucherons de l'appartement cherchant inlassablement une piscine fatale. Enfin bref, tout s'endormit jusqu'au soir.